Alors, la police est également à la recherche d'un conducteur qui a pris la fuite à la suite d'un accident de voiture. Accident de voiture qui a fait 5 blessés, 3 adultes, 2 enfants dans un des véhicules. On craint pas pour leur vie, mais quand même. Ça s'est passé hier vers 21h40, arrondissement La Salle. La collision a eu lieu plus précisément sur Berger et... pas en fait sur Berger, mais sur Corner et Lapierre. Et dans l'autre véhicule, il y avait à bord un conducteur, celui qui serait... en fait, qui n'aurait pas fait son arrêt obligatoire, comme nous l'explique Caroline Chèvrefils. Des témoins ont été rencontrés par les policiers. Selon les premières informations obtenues, le véhicule, le petit véhicule utilitaire sport, circulait en direction ouest sur la rue Corner et l'autre véhicule fautif, la voiture, circulait en direction nord sur la rue Lapierre. Et rendu à cette intersection, le véhicule fautif n'aurait pas fait son arrêt obligatoire. C'est ce qui aurait provoqué une collision. Donc, collision qui implique 2 véhicules. Dans l'un d'eux, bien, il y aurait ce conducteur fautif qui a pris la fuite. Dans l'autre, 5 passagers, 3 adultes, 2 enfants qui ont été conduits vers un centre hospitalier pour traiter leurs blessures, mais on ne craint pas pour leur vie. Merci, Marie-Lise. À tantôt. Au revoir.